ça va être de remonter une piste avec des fixations un peu particulières, un équipement un peu particulier de randonnée avec des pots qu'on accroche sous les skis. Là, l'objet, c'est une course chronométrée, donc chacun va se mesurer un peu à soi-même, en fait, et faire son petit chrono. Je vais essayer d'arriver en haut, et puis voilà, je serai contente quand je serai en haut. Ça va bien se passer. Je m'entraîne pour la TLM. C'est samedi prochain. Avant de descendre, faut monter un peu. Moi, mon kiff, c'est le snowboard. Apparemment, eux, leur kiff, c'est le collant. Moi, je préfère rechausser un seul morceau là-haut, c'est quand même plus sympa. Puis quand on monte, avec un petit bout de sauce, c'est toujours plus sympa. Donc ça devrait bien se passer. C'est sympa, c'est top, ces courses de ski de rando là. C'est bien qu'il y ait la première à la plage. Quand même, hein. C'est vertical là. J'ai pas fait grand chose dans l'hiver, et c'est vrai que du coup j'ai la forme, alors qu'il y en a qui sont plus fatigués, ce concours et tout l'hiver. Donc voilà, ça prépare la saison de trail. Je pensais que c'était un sport qui ne nécessitait pas d'entraînement, et je me suis lourdement trompé. C'est très dur. Et très génial. Un bel événement, il y a vachement de monde plus que ce qu'on pensait. On en voit déjà qui redescendent, c'est pas très sympa pour les autres, mais bon. Voilà, à refaire. Impeccable. On se rapproche du haut, donc c'est bien. C'était très bien, ouais, vraiment se surpasser un petit peu avec ce côté un peu compétition. On a beau l'oublier quand même au départ, mais on se laisse prendre au jeu et c'est sympa, c'est une bonne expérience chronométrée. Tout le monde a répondu présent, les professionnels de la station étaient là. C'était très bien, à refaire le plus souvent possible. Alors 4 jours à la plagne et Marino elle t'emmène dans cette galère, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas elle qui m'a emmené, c'est un choix personnel, c'est ça le pire. Ah oui, et t'as aimé? Ah c'était génial, un grand moment de bonheur, je sais plus où j'habite là. Je trouve que c'est un événement fantastique, organisé au pied levé d'après ce qu'on m'a dit. À mon avis, dans 4 ou 5 ans, vous aurez entre 2 et 3 000 personnes. Quelque chose comme ça. Allez, ouais, le 33.